Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est 14h, je suis sous un soleil de plomb. J'ai bougé aujourd'hui, je suis parti à peu près à 3h de chez moi et je me retrouve aux alentours de Narbonne, région magnifique. Hein. On est dans l'Aude, c'est magnifique. Vous voyez au-dessus de moi, il y a une volière. Vous croyez qu'on va parler oiseaux? C'est faux. Aujourd'hui, on va parler terrario. Et oui, parce que la terrariophilie, ce n'est pas forcément dédié au terrarium à l'intérieur. On peut aussi élever des animaux à l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis venu chez mon ami Jordi, qui a non seulement une install de malade qui vient de finir, ça fait 15 jours qu'il est dessus, il est rincé, mais surtout un groupe de lézards de fous à mettre dedans. Vous n'êtes pas prêts. Ce sont des lézards, je les avais vus deux fois dans ma vie en vrai seulement. J'en avais un espèce de souvenir, une madeleine de Proust. Je les ai manipulés pendant 5 minutes, je suis comme un fou. Donc, on va parler aujourd'hui d'un mythe, Smoke Giganteus. Smoke Giganteus, déjà le nom, il est fou. Le lézard, il est complètement dingue. Et l'install dans laquelle ils vont aller au top du top. Tu crois qu'il y a des terriers souterrains avec des accès, des caméras, tout ça pour des lézards dans une volière? Oui mon ami, et c'est maintenant et ça démarre tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, le sponsor de la vidéo, c'est un sponsor qui nous suit maintenant depuis un petit moment. Ils nous font confiance depuis maintenant peut-être deux ans et demi. Et j'ai envie de leur dire merci. Merci à qui? Merci à Red Shadow Legend. Mondialement connu aujourd'hui, Red Shadow Legend prend le large en t'offrant une réelle expérience console sur ton téléphone. Franchement, c'est un truc de fou. T'as plus de 600 champions à équiper avec des centaines d'artefacts. Les possibilités, elles sont infinies. Ce mois-ci, il se passe plein de trucs sur Red Shadow, dont la sortie de 5 nouveaux champions qui ont l'air grave badass. Franchement, j'ai hâte de mettre la main dessus. Et ce qui organise le Volt des Champions. Pendant tout le mois, tu as les événements Summer Splash qui sont organisés par Red. En ce moment, tu as un événement spécial, l'événement d'Eliana Chase, qui est un événement qui te permet de mettre la main sur cette dernière championne. C'est qui cette championne? Bah, c'est Deliana. Deliana, tu la connais pas? C'est une championne légendaire de la tribu des Osef. Va faire l'event et tu vas pouvoir accueillir cette championne légendaire. En ce moment, c'est le meilleur moment pour démarrer Red Shadow Legend. Et si jamais tu passes par mon lien dans la description ou si tu flashes mon QR code, eh ben, je vais te dire que tu ne vas pas démarrer de bredouille, mon ami. Non, 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 on te met très, très bien. Car en effet, en passant par mon lien, tu gagnes un champion épique, Vergis. Tu gagnes aussi 200K de silver. Mais je te rajoute aussi un Books XP. Et je te rajoute aussi un éclat ancien. Le jeu est disponible évidemment sous iOS ou tout ce que tu veux et tout. Tu as juste à télécharger le lien et tu pars bien et tu me retrouveras peut-être dans une arène. Allez, salut mon ami, ciao et on se voit sur Red Shadow. Il est là, je suis content de te voir. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne Jordi, on t'avait vu à l'époque de Venom World. Ouais. Et depuis t'as changé de vie quoi. Ouais, carrément. Depuis, bah, ce qui a changé du coup quand on change de vie, bah, dans sa passion on change d'orientation, d'installation quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Jordi? C'est incroyable. Eh bah, c'est une bête de volière qu'on a faite et on l'a faite pour un groupe de lézards hyper particulier qu'on va maintenir là vraiment toute l'année. Ça va être vraiment cool. Attends, toute l'année ils vont rester dehors? Tu vas voir, c'est des lézards hyper particuliers, okay. Hein, qui vivent dans une région particulière d'Afrique du Sud. Ok. Et donc on va en parler un petit peu plus en détail et ça va être vraiment cool. Et je pense vraiment qu'on va faire un truc super. Bah moi déjà, je vais te dire, t'as bossé comme un chien. Bon, j'avoue, apparemment t'as vraiment fini. Il n'y a pas longtemps, il y a encore le marteau piqueur. T'as fait ça à la main? On a tout fait à la main. T'es un taré. On a combien tout fait à la main. 15 jours en bossant tous les jours. Ah ouais, bah déjà rien que les fondations et tout. J'adore. 15 jours de taf d'arrache-pied pour maintenir 6 lézards. Il y a des gens, ils doivent se dire, vous êtes cinglés. Mais c'est le bonheur. Bah on va aller faire le tour à l'intérieur. Tu vas me montrer un peu les parties techniques parce que c'est clairement abouti. Hein. Je veux dire, le zoo de Beauval n'a rien à envier à la partie technique de cette volière. Et derrière, on va les relâcher. Ça va être trop cool. Vas-y, montre-moi, fais-moi visiter. Viens, rentre, fais-moi visiter. Vas-y, je t'en prie. Ok, donc en fait, c'est une volière en alu, hein, comme pour les perroquets. Ah en fait. Ouais, c'est une volière en alu, tout simplement. Et puis dessus, en fait, on a mis un filet. Ok. Bon, pour protéger surtout les lézards des prédateurs. Donc c'est quoi les prédateurs ici qui pourrait y avoir? Les oiseaux, okay. Principalement. Les rapaces, les pies, voilà. Les corbeaux, les trucs comme ça. C'est vraiment le risque principal. Donc, la couleuvre de Montpellier, elle... Ouais, si je pense qu'une grosse couleuvre de okay. Montpellier, si elle passe, je pense qu'elle pourrait en bouffer un. Donc du coup, okay. Voilà, mais bon là, il n'y a vraiment aucun risque. Okay. Donc on a laissé ça, et l'avantage, c'est que la maille est quand même assez grosse. Okay. Tu vas voir, c'est des lézards qui ne grimpent pas du tout. D'accord. Il n'y a aucun risque que le lézard vraiment monte sur le grillage et sort. D'accord. Ça, ah ouais, donc possible. Ils vont vraiment tous rester au sol. Ils vont vraiment utiliser l'espace au sol. Il y a combien au sol là? Il y a 20 mètres carrés pile. Ah, 20 mètres carrés. La volière, elle fait 5 mètres. C'est plus grand que ma chambre. J'ai grandi dans une chambre de 12 mètres carrés. Ah ouais, 5 mètres par 4. Donc du coup, il y a deux groupes
si j'ai bien compris, en gros, qui vivaient un peu séparés, qui vont se retrouver ensemble aujourd'hui. Alors en fait, on a deux mâles et quatre femelles. Ok. Ça, c'est le groupe. Ok. Donc on a mis vraiment longtemps à constituer le groupe. Mais ouais, t'as mis, parce que ce sont des lézards qui sont mythiques, c'est vraiment difficile de constituer des groupes. Ouais, donc ça prend des années, quoi. C'est assez compliqué. Bien sûr. Du coup, on a ce groupe-là, on va faire, en relâché, on va faire un mâle, deux femelles, plus un mâle, deux femelles. Ah d'accord, ok, donc on va les relâcher par trio. Voilà, par d'accord. trio. Et en deux étapes par trio aussi. Voilà, et puis okay. on va voir un petit peu comment ça se passe. Là, c'est quoi l'idée en fait? Pourquoi est-ce que c'est si vide en fait? J'ai envie de te dire. Alors parce qu'en fait, ça a été terrassé. Donc si nous on a terrassé, on a fait le terrain. Voilà, à la base, c'est vraiment un lézard hyper particulier. Parce que si on prend par exemple les cordyles, d'une manière générale, les cordyles sont quand même inféodés à des milieux chauds, secs et pierreux. D'accord. Tous les cordyles viennent d'Afrique déjà. Donc toute la famille que tu vois, les Cadafractus, les Tropidosternum, tous les cordylus, ils viennent tous d'Afrique. Alors, mais le cordyle géant, vraiment, lui, il est hyper particulier. D'accord. Il est hyper particulier parce qu'il ne fait rien comme les autres. Déjà, il vit dans des prés à vaches en fait. Ah ouais. Il vit dans des grandes prairies. En mode la Suisse ? Exactement. Ok. En pleine Afrique ? Alors, non, on les trouve uniquement dans deux régions sud-africaines. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur le continent africain, tu as des biotopes où tu as de la prairie comme en Suisse et ils vivent là-dedans. Mais là où les cordyles géants vivent, donc c'est vraiment ces deux régions particulières. Tu en as une qui c'est Mpumalanga et l'autre c'est le KwaZulu-Natal. Et dans ces régions-là, tu as des. C'est des pâturages en des fait, prairies, c'est des prés avec des graminées et de l'herbacée, et sans rien autour. Donc pas de décor, non, pas d'arbre. Non, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'arbre. Ça pas vit dans un environnement vide. Voilà, exactement. Mais alors, par rapport au climat, ils ont un climat un petit peu assez similaire au nôtre finalement, sur leur aire de répartition. À la différence près, c'est que eux, ils ont des hivers relativement froids, aussi froids que les nôtres, par contre très secs. D'accord. Hein, par contre, ils ont des étés un petit peu comme les nôtres, mais très pluvieux. Ah, donc en fait, toi, il va falloir que la seule chose, il faut que tu augmentes l'hygro, tu vas arroser comme un malade. L'été, ce qu'on va faire, on va installer en fait un arrosage automatique et on va leur faire la pluie en été. Trop bien. Ok, donc en fait, tu as reconstitué ça, c'est vide. Ça va être arrosé, tu vas mettre des graminées, des herbacées. Alors on a commencé pour que ce soit un petit peu sympa et joli, mais ce qu'on va faire, on va semer de la prairie fleurie. Ok, trop cool. Ah mais ça va être canon, voilà, trop bien. Un biotope vraiment le plus naturel possible. Et par contre, t'as mis des rochers. Alors ouais. Des rochers qu'on voit d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ces rochers, Dijon? Alors, à la base, ça a été développé par mon ami Quentin, qui va nous expliquer un peu comment il a fait. Okay. Mais en fait, l'idée de ce rocher, c'était de camoufler l'entrée d'une chose qui est essentielle pour le cordyle géant, c'est le terrier. Ah, donc il y a des terriers, c'est ça les entrées de tubes que je vois là. Attends, mais donc en fait vous avez mis des terriers, donc en fait le cordyle il va pouvoir rentrer là-dedans. Exactement. Mais il atterrit où? Il atterrit dans. Voilà. Alors. Ah la dinguerie. Eh. Là-dessous les gars. Eh mais là c'est la Terrario 7.0. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Oh putain. Voilà, là on a un terrier artificiel. Ah mais c'est trop bien, t'as fait des boîtes. Alors c'est pas moi qui les ai fait, hein, c'est Quentin. Quentin va nous expliquer, Comment il a fait. Et en fait ce qui est super intéressant, c'est que les matériaux utilisés, donc le matériau utilisé pour faire les terriers est un matériau quand même vachement isolant. Ok. Et si tu veux vraiment regarder dans le terrier comment ça se passe en hiver par exemple, bah t'as une petite trappe pour pouvoir regarder à l'intérieur. Oh là là, mais le luxe, c'est vraiment bien pensé. Mais j'adore. Ah mais ils vont être trop bien. Donc ça veut dire que si cet hiver, il y a un gros coup de froid, ils vont se mettre là-dedans. Et au pire du pire, si les températures, j'en sais rien, baissaient, toi, tu peux quand même avoir accès à tes lézards. Ils sont pas au fond d'un truc qu'ils ont creusé eux-mêmes où tu galéreras pour les retrouver. Donc c'est parfait. Et là, quoi. Si tu veux avoir accès, vas-y, soulève. T'as accès en fait au terrier. Mais non, arrête. Oh là. Ah mais c'est trop bien. Avec l'entrée du tube qui est juste là. Ah mais c'est génial. Tu vas mettre un peu de terre dans le fond? Ouais, bien sûr, ouais. Donc un petit substrat et tout. Putain, mais c'est incroyable. Quand tu dis qu'il y a des reptiles, ils vivent là-dedans, dans le terrain à l'année, tu vois, et que là, c'est une super boîte. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien conçu, franchement. Alors, l'avantage aussi, c'est que Quentin a développé les rochers. C'est du polystyrène, il va vous expliquer un petit peu comment il les a fait, un petit peu. Mais le truc, c'est que c'est super isolant. Bah, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, dans la nature, ton cordyle, si tu veux, le terrier, c'est un truc qui est essentiel pour lui. Okay. C'est essentiel pour Il vit entre son terrier et l'extérieur. C'est pas compliqué, en fait. Il ne vit que devant son terrier. C'est-à-dire que dans la nature, j'ai eu la chance d'en voir
en milieu naturel, en fait, il sort, okay. Il rayonne vraiment sur 2 mètres carrés au-dessus, okay. Du terrier, sur laquelle en fait il va s'alimenter, etc. Bon, voilà. Okay. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il se protège. Donc ça va lui servir à se protéger des prédateurs et notamment des rapaces, parce que c'est un des principaux prédateurs, okay. Du cordier. Ah ouais, donc il a intérêt à être, voilà. Speed, hein. Et l'avantage, c'est que ça, le terrier va permettre au cordier de se protéger de la chaleur, okay. Et du froid. Ok, donc ça vraiment, c'est obligatoire dans l'habitat d'un cordier giganteus. C'est obligatoire, parce que finalement, chez le cordier géant, les femelles sont relativement casanières. Okay. Hein. Par contre, les mâles, dès qu'ils sont arrivés à maturité sexuelle, quittent leur terrier, okay. Et vont visiter les terriers des femelles, en fait. D'accord. Les femelles bougent assez peu, finalement. Donc, elles sont vraiment enfaudées à leur terrier. Par contre, le mâle, ouais. Il va aller... Donc, en fait, ici, t'as refait exactement... Ouais, voilà. Il y en a combien, des terriers? Il y en a 3? Ouais, il y en a 3. Ah ouais, donc il y a 3 boîtes comme ça réparties sur la volière. Ouais, on en a prévu 2 de plus. Ah, 5 boîtes à terre. Ouais, ouais. J'adore. Eh, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je trouve qu'il manque un truc dans cette volière. C'est des lézards. C'est des lézards. Et je pense que là, on a très envie de les voir se balader. T'es stressé un peu ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Genre, bon, ils connaissent un peu l'extérieur, ils avaient un petit parc avant et ouais, tout. Ouais, ils ouais. Déjà c'est des animaux en fait, qu'on a acclimaté doucement, okay. À vivre en extérieur. À la base, en fait, je te le dis, hein, tu les as vus, ils étaient élevés en fait dans des grandes, ouais. Cages à lapins, ouais. Hein, qui leur permettaient en fait de prendre un maximum de soleil. Parce que ça reste quand même un lézard très très héliophile. Hein. Okay. C'est vraiment ouais, des lézards. C'est très pratique de les élever dans des grandes cages pour les faire grandir. Voilà. Tu les déplaces, tu les rends, voilà. Tu les mets au soleil, ils sont déjà habitués à, ouais. Tout le vent, l'environnement, les machins. Et tout. On les appelle les sun-gazers. Donc en fait, vraiment, quand ils sortent du terrier, ils se dressent, ils ont une position caractéristique, ouais. Sur les pattes comme, ouais, ça. Ouais, bien sûr. Vraiment, ils suivent le soleil. C'est vraiment. Ah, vraiment j'ai trop hâte de voir ça dans la volière. Hein. Eh, franchement, tu t'éclates. Hein. Eh, tu t'es éclaté. Ouais, ça va être bien là. Cool. Ah, ouais. Ils vont être trop, ouais, trop ça bien. Va être cool. T'as déjà eu une installe aussi grosse pour une bestiole? Non, jamais. Ah, c'est trop bien. Non, jamais. J'ai l'impression que c'est le début d'une belle aventure dans les installes extérieures. Ouais, je pense. Ouais, ouais, on va essayer de mettre le paquet. Ouais. Trop cool. On va aller chercher? Ouais, carrément. Génial. Bon, les amis, ça m'intrigue. Pendant que Jordi est allé chercher les rochers, déjà, d'où j'arrive à soulever ça comme ça et d'où j'arrive à faire ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Quentin? C'est nos faux rochers. Mais ils sont géniaux, vos faux rochers. Et donc, en fait, c'est une structure en polystyrène que vous avez fait. On peut leur montrer? Ouais, bien sûr. On leur montre. Secret, ouais, ouais. C'est une structure en polystyrène sur laquelle ça a appliqué, en fait, quoi? C'est quoi? En fait, on part de plaques de polystyrène qu'on va modeler de manière vraiment artistique. Hein, c'est au feeling. Pour avoir les rochers les plus réalistes possibles. Et, et ensuite, on a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va d'abord préparer le polystyrène à recevoir une couche de mortier de résine. Donc il faut le durcir, pour ça il faut le passer au décapeur thermique. Là, on croirait chez Casto dans la petite vidéo qui tourne et qui t'explique la technique. Ah ouais, tu le passes au décapeur thermique, ouais, c'est comme ouais. Ça que tu obtiens la, la... Ça permet d'avoir une surface un peu plus rigide. Ok. Voilà, et ensuite après on applique environ 5 couches de mortier. Ah ouais. Hydrofuge et okay. Surtout sans solvant, à partir du moment où c'est pour les animaux. Bien sûr, il n'y a pas de matière toxique, mais le rendu est topissime quoi. Et après, on a, voilà, on a 10 étapes de ponçage, de résinage, de... Ah, c'est du boulot quand même. C'est combien d'heures de taf pour faire l'ensemble des rochers dans le... Là, on a 12 rochers, c'est à peu près 2 semaines et demie de boulot. Ah ouais, c'est du taf. 2 semaines de boulot sur les rochers, 2 semaines pour faire les fondations, monter la volière et tout, les projets extérieurs, un peu les gros projets, ça prend plus de temps qu'un tuto pour installer ton élap en rentrant chez toi avec le terrarium, ça c'est sûr. Mais le rendu est dingue. Je pense que pour les animaux, les entrées de terrier, c'est tellement une bonne idée et tout, relié aux boîtes, enfin, vous avez franchement bravo. Quoi. Merci. Bravo. Ce projet, il est ouf. Ok les amis, le grand moment est arrivé. Hein. Le grand moment est arrivé. Charlize, on va relâcher tous ces petits lézards. Ils sont magnifiques. Ah, regardez, j'adore notre passion Jordi. Attends, t'as oublié. Oh. Hop là, elle est bien cette boîte, hein. Franchement elle est compète. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh qu'ils vont être bien. Oh qu'ils vont être bien. Bah alors les gars, vous dites quoi là? Vous dites qu'il y a du monde et qu'il y a de la place. Hein. C'est marrant comme il reste statique direct, tu vois. En mode le reptile, il se dit si je bouge pas, il m'arrive pas grand chose. Thank you.
Bon, le premier trio a été relâché, ça se passe super bien, ils sont en train de tout explorer, franchement c'est magique, je vous cache pas qu'on est plus là à les regarder qu'à les filmer tellement c'est magique. Maintenant on va relâcher le deuxième trio, il va peut-être se passer des petites relations intraspécifiques entre les mâles et tout, bah on va regarder, donc bah, quand vous voulez les amis, quand vous voulez. Oh là là, ah, celui-là il est trop beau, ah il est trop beau. Ok, le dernier, honneur à Charlize pour lâcher le dernier. Franchement, vas-y, je t'en prie. Et tu vois, ils vont... Hop là! Oh là là, magnifique. Eh, c'est un rêve de terrariophile que je vis aujourd'hui. Ah, c'est un rêve de gosse, ouais. Ah, franchement, ouais. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Eh, on va se poser, on va les regarder, on va vous les montrer, mais c'est incroyable ce qui se passe là. Oh là 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 là. Ah ouais, mais en fait, les mâles, j'ai l'impression qu'ils ont... Les femelles aussi ont ces proéminences. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, vraiment, le seul moyen de les sexer, c'est ça. Hein. C'est par les pores à l'intérieur des pattes, quoi. En fait, pour les sexer, les mâles sont matures à peu près à l'âge de 5 à 6 ans. Ok. En fait, et tant qu'ils sont pas matures sexuellement, en fait, tu peux pas les reconnaître. Vraiment, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, non, c'est pas possible. Okay. Et en fait, le seul moyen, c'est que quand les mâles deviennent matures, en fait, ils commencent à développer des pores particuliers, en fait, au niveau des bras. C'est bizarre, hein. T'as vraiment ces écailles hyper particulières. Vraiment sur les pattes avant. Et donc ça, si t'as ça, t'es un mâle. Voilà. Et attends, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va direct dégager l'autre en mode... Oh là là! Oh putain, Alex, filme ça, ah, filme là, ça, Alex, filme ça. Oh là, oh là 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 là, oh là là. Non, franchement, j'ai envie de te dire, rêve de terrario, la rêve de gosse. Ouais, hein, c'est un rêve de gosse. On se connaît depuis longtemps et je t'avoue que là tu t'envoies une install de rêve. Ouais, mais je pense vraiment c'est ce qu'ils ont besoin hein, pour... Voilà, on va voir. Bon, Jordi, merci énormément de nous avoir fait partager cet instant. Franchement, c'est un truc de... Je suis trop content, ouais, mais merci à toi, c'est un truc de dingue. Regarde, il sort. Oh là là. Ah ouais, du terrier, il sort du terrier. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, je pense que les trucs de dingue, je pense que tu vas les enchaîner dans les enclos extérieurs et on ne manquera pas de venir voir l'évolution. Carrément, et puis si j'ai des trucs un petit peu particuliers avec la caméra, on va pouvoir les filmer, ça va être cool. Trop bien. Moi, je te tiendrai au courant. Ouais, tu les mets sur Instagram. Allez, suivre Jordi sur Instagram, je vous mets son Insta, il va vous partager des images des animaux, des trucs et tout. De toute façon, on a plein de projets qui arrivent. Ouais, il y a plein de projets, il y a plein de choses et tout qui arrivent, des trucs pour. Voilà, donc pour l'instant, on vous en parle pas, mais il y a plein de trucs cool qui arrivent. On va tourner ensemble des petites séquences qu'on vous mettra dans un vlog de cet été parce que bon, t'es quand même connu à la base pour tes serpents venimeux. Ouais. Et c'est vrai que t'as quand même une belle collection déjà à la maison là. Donc on va faire quelques petites séquences qu'on vous mettra dans un vlog pour cet été. Et puis ben, franchement, merci beaucoup. Quentin, bravo aussi. Attends, ouais, merci Quentin pour la réalisation de la volière. Attends, viens là Quentin, viens. Marche pas sur un lézard. Vas-y, ouais. Quentin, bravo hein, parce qu'on a fait la vidéo avec Jordi, mais t'es le co-réalisateur de ce projet. Quentin, en fait, sur le coup, c'est un petit peu, ouais, techniquement, c'est lui qui a réfléchi la volière. Ok. C'est lui qui a réfléchi les rochers. Moi, en fait, je lui ai dit, Quentin, les lézards, ils ont besoin de ça, de ça, de ça. Il nous faut les terriers, il nous faut une volière comme ci, comme ça. Voilà, démerde-toi, il m'a produit un truc mortel et c'est lui qui l'a monté, ça fait une semaine. En fait, t'as rien foutu, toi. Non, j'ai pas foutu grand chose. Ça fait une semaine qu'il est à la maison. Bah, bravo, les gars. Je pense que vos deux compétences, vos deux parcours réunis, c'est de la dynamique. Donc, franchement, bravo. Je suis trop content, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est de la terrario alternative, comme j'aime vous la montrer sur Toupette. On vous montre des animaux qui sont pas courants, des installs qui sont pas courantes et qui sont tenus par des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, c'est, j'ai envie de dire, l'identité de la chaîne. Donc merci les amis, à la semaine prochaine, on s'abonne, on met le petit j'aime et merci les gars. Et franchement, bravo. Allez, merci. Vous la méritez votre bière, vous méritez le tonneau là. Vous méritez le tonneau de bière, bravo. Salut les amis, ciao.